lips, it tasted like those cigarettes, staring at the moon. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour la suite de mon book haul du mois de décembre. Ça fait plusieurs fois que j'essaye de filmer cette vidéo, mais à chaque fois Bibou se réveille ou il commence à faire nuit. Donc voilà. J'espère que cette fois-ci ce sera la bonne. Donc partie e-book cette fois-ci, hein. Le book haul du mois de décembre version papier était déjà... ça allait, hein. Mais là, version e-book, j'ai dû faire de la place dans ma liseuse. J'ai enlevé tous les livres que j'avais lus. Donc, on attaque. Donc, je me suis procuré mon ex, sa copine, mon faux mec et moi, que j'ai déjà lu donc en lecture commune avec ma frangine. Et il est très très sympa à lire, donc c'était la bonne saison. Enfin, je vous en parlerai plus tard dans un update lecture. Donc comme d'habitude, je vous mets la couverture par là pour que vous fassiez une idée visuelle. Et moi, c'est les couvertures qui me font craquer quasiment à chaque fois. Donc je ne vais pas forcément me souvenir du titre, mais je vais me souvenir de la couverture. Donc ensuite, je me suis procuré Brisé de Sophie Santoromito Pierucci. Celui-là, je suis pas sûre de... enfin, je verrai bien. Je sais pas trop si je vais aimer ou pas. Et je verrai. Mais bon. C'est encore des achats compulsifs. Voilà. Je regarde la wishlist de ma frangine. Elle regarde la mienne. On se rajoute chacun des trucs. Enfin, c'est sans fin. Ensuite, Did I Mention I Miss You d'Estelle Mascamé. J'ai les deux premiers tomes, donc il me fallait le dernier, hein, mais il va vraiment falloir que je les lise, ceux-ci, ils me font envie. Et voilà, je les ai toujours pas lus, il faut que je les lise. Qu'est-ce que j'attends? Les trois sont là. Puis My Escort Love de Laura S. Wilde. J'ai téléchargé aussi Au pays de l'ailleurs de Tahiri Mafi, mais vu les mauvais avis, ce que j'entends en ce moment sur la blogo, sur BookTube, voilà, ça me donne plus envie de le lire, franchement. Donc je sais pas trop. Il a une belle couverture. Dis-le moi ça. Ensuite, championne héroïne malgré moi de Léa G. Je pense que ça se dit comme ça. Voilà. Je sais pas pourquoi, mais voilà. Je trouvais l'histoire assez intéressante. Ensuite, Souviens-toi, le premier tome de la saga Forever de Stéphanie Thorne. Je le vois tourner sur Facebook depuis un moment. Là. Je trouve les couvertures qui sont relativement jolies. M'en faut pas plus. Ensuite, Never Never, donc la saison 1 et la saison 2 de Colleen Hoover et de Taryn Fisher. Ça, il y a des bons avis, il y en a des moins bons. Forcément, c'est à 4 mains, c'est pas que du Colleen Hoover, donc il doit y avoir une part. Enfin, hein. Mais il faut que je prenne la troisième partie. Là. Je crois qu'elle est sortie, donc il faut que je me prenne la troisième partie et je les enchaînerai parce que de toute manière, ils sont vraiment tout petits. Donc quand je les ai vus en magasin, voilà. Soit il faudra que je me les prenne parce que c'est du Colleen Hoover, mais d'occasion je pense, parce que je suis sûre qu'ils sont encore relativement chers pour ce que c'est. Hein, vous allez pas me dire qu'ils pouvaient pas sortir juste un tome. Enfin, je sais pas. Profit. Ensuite, Le piège de l'innocence de Kayleigh York. Ah oui, celui-là, j'en ai beaucoup entendu parler et j'ai vraiment hâte de le lire. Mais je vous en parlerai plus tard. Parce que là, si je commence à m'étaler sur chaque livre, on est mal. Ensuite, Sweet d'Emmy Lebourne. Bah, la couverture, clairement. Ah. Puis Adrian US Army de Stéphanie Thorne. Ah, parce que c'est du Stéphanie Thorne, hein.
puis The Team, donc le premier tome, donc Compétition, de Linda Escher, donc encore une nouvelle saga que je veux commencer. J'ai pris Diabolique, Belle et Mortelle, donc Diabolique c'est le tome 3, et Belle et Mortelle c'est le tome 2. Et j'ai pris Le Noir lui va si bien, le tome 1 de la saga God and Monster, voilà, de Kelly Clayton. Encore une nouvelle série, mais des belles couvertures. Donc, je suis faible. J'ai pris aussi Le Sortilège du Temps de Bella Forrest, donc, et aussi La Chasse à la Proie. Donc, le tome 10 et le tome 11 de la saga Mur de Vampire. Et je sais même pas si j'ai les tomes précédents. Je sais que j'ai le premier, mais est-ce que j'ai ceux qui sont entre ? Je me suis procuré La Douce Caresse d'un Vent d'Hiver de Sarah Morgan et la suite, c'est le tome d'avant, L'Exquise Clarté d'un Rayon de Lune, je pense que c'est celui-là, le tome 2, parce que j'ai le premier tome dans ma palle, non mais je l'ai en version papier, et j'aimerais bien retrouver les suites mais dans la même édition, voilà, et je sais qu'ils sont sortis, mais ils sont sortis en version un peu plus petit, et moi ça m'ennuie, je veux pas ceci moi. Et il y en a un qui était bleu, qui est passé au rose. Enfin, je vous mettrai les couves. Donc, de Sarah Morgan. Et ça, je voulais les lire cet hiver. Donc, j'espère... Il va falloir que je me le cale. Au moins un. Ça serait bien que je m'en lise un. Là, que je m'en lise les deux autres au pire. Mais bon. Parce que je voulais les lire en lecture commune avec ma frangine, mais... Elle, il faut qu'elle les enchaîne, sinon ça va pas. Mais moi, j'ai du mal à enchaîner. Déjà que j'ai du mal à lire. Hein. Mais bon. Donc, ouais, ceci, je les. Voilà, les couvertures. Il y a des paillettes, quoi. Il y a des paillettes sur les couvertures. Il me les faut. Je me suis aussi pris Une Braise sous la cendre de Saba. Non. Je me suis aussi pris Une Braise sous la cendre de Saba Tahir. On l'entend, on le voit partout, voilà. Le tome 2 est sorti, mais pareil, ça a l'air d'être une brique. Je l'ai, je sais pas quand je le lirai, hein, mais je l'ai. Je me suis pris le tome 2 et le tome 3 et le tome 4 de la saga mince. Je trouve plus le titre de la saga. Donc là, c'est Alice et le miroir des maléfices, La Reine des zombies et Zombie Party de Jenna Showalter. Et c'est les chroniques de Zombieland. Je crois que c'est ça. Hein. Les couves sont belles. J'ai déjà le premier tome dans ma palle. Donc voilà. Et je me suis pris aussi. Non, je croyais que c'était fini, mais non. Le journal, Journal d'un vampire en pyjama de Mathias Malzieu. Celui-ci, je l'ai vu sur beaucoup de chaînes aussi. Il me tente pas mal. Il est passé par là. Donc. Je l'ai vu, je l'ai pris. J'ai pris le tome 2 de la saga Dirty Love de Jolie Plume. Jolie Plume. C'est sûr, c'est Jolie Plume qu'elle s'appelle. What? Enfin, je vous mettrai, de toute façon, vous voyez la couverture, je vous mettrai le nom de l'auteur là juste en bas. Hein? Mais c'est bizarre. Enfin, sinon, c'est un nom. C'est pas son vrai nom. Mais... Enfin, vous m'avez comprise. Donc, j'ai pris le tome 2, je sais même pas si j'ai le tome 1. Je me dis, je suis pas. Je manque de sommeil en ce moment, donc je suis un peu à côté de mes pompes. À côté de la plaque totale, donc au niveau ça se ressent totalement. Et je me suis pris Babysitting Love de Jan Hart, donc pareil, là je ne vois plus du tout la couverture, mais ça doit être un peu près dans la même collection, je pense, que le précédent. Enfin, ça doit être c'est de la romance. Donc voilà pour mes e-books du mois de décembre. J'ai encore. Il a mal route, je pense. Hein?
Mais bon, ça va pas encore s'arranger pour le mois de janvier. Je suis désolée. Quand vous voyez déjà voilà, ce que je me suis procuré en papier, ça fait peur. Mais bon, on va pas réussir à me changer, je pense. Ma palle augmente. Et plus ma palle augmente, et moins je lis en fait. Non, mais là ça va reprendre. Je vais reprendre le boulot à la Saint-Valentin. Donc. Il va falloir que je m'en mette à lire de toute manière parce que je vais trouver le temps très très long. Donc ça va revenir. Ah, voilà, ça y est, le monstre est réveillé. Donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, bye bye.